Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'actualité à Zodi. Lancement officiel de Côte d'État Technology Park dans Ébène pour Premier ministre, un technopole qui pour créer 5000 travail. La Banque mondiale a fin salué Banmezia soutien salarial qui gouvernement Maurice fin met en place pendant pandémie, nous pays classé 4e dans le monde pour ce plan soutien. À partir de demain, une autre phase de campagne vaccination peut démarrer à l'intention 6 catégories du monde. Et Déo, Danemark accusé pour faciliter une opération espionnage de ban personnalité politique européen pour service renseignement américain. Côte d'Or Data Technology Park fin officiellement lancé dans Ébène, à Zodi. Sa technopole-là pour étaler le plus qui 143 en terrain et lui pour créer 5000 travail. Fin Desa sélectionne 11 promoteurs, entre autres, dans secteur médecine high-tech, l'intelligence artificielle et technologie alimentaire. C'est Premier ministre qui fin fait un lancement, Pravin Jugnauth fin déclaré, qui à travers sa prosée-là, gouvernement propose fondation d'une l'économie moderne, axée l'Oban échange de données. Premier ministre aussi dit qu'il est essentiel que Maurice fasse aux évolutions économiques post-Covid à travers un nouveau pilier. Sylvana Parimamon. Un travail infrastructure pour Côte d'Or Data Technology Park peut démarrer ce mois-là et pour compléter en décembre 2022. Ce projet-là est annoncé dans le budget 2020-2021 et qu'il peut faire plus 143 au pont. Nous avons sélectionné 11 projets pour le parc. Parmi ceux-ci se trouve un data center opéré par une société de renommée internationale, un complexe dédié à la médecine orthopédique et sportive à l'intention des athlètes, un SME accelerator en soutien aux PME opérant dans la fintech, une serre hydroponique dotée des plus récentes innovations technologiques, un incubator center dédié à la recherche et au développement, un deep artificial center, un centre d'excellence dédié à la technologie alimentaire et finalement un centre médical high-tech. Négociation fin des arts finit faire avec un ban promoteur qui fin sélectionné, c'est-à-dire AVA Technopark Limited. Nous allons créer un parc industriel dans les medical devices et ça va consister en plusieurs bâtiments. Le premier bâtiment va voir le jour en janvier 2023 et on a à peu près 500 à 600 millions d'investissements sur ce premier bâtiment avec 500 emplois nouveaux à la clé. Et on va créer, je pense, deux ou trois autres bâtiments dans les 5 prochaines années avec plus d'un milliard d'investissements. Fondation de l'économie moderne, une avancée majeure dans la stratégie positionne Maurice comme un smart country. C'est en ce thème-là que le Premier ministre a qualifié Côte d'Or Data Technology Park. Pravin Kumar Jugnauth dit qu'il est essentiel que le pays fasse sa révolution économique post-Covid. Ce projet marque un jalon supplémentaire en vue du développement de technologies de l'information et de la communication à Maurice. Avec la création de ce parc, nous posons les fondations d'une économie moderne axée sur les échanges des données. Il s'agit d'une avancée majeure qui fait partie de notre stratégie de positionner Maurice comme un smart country. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à accueillir une nouvelle ère numérique avec l'avènement du parc technologique à Côte d'Or. Il est essentiel que Maurice fasse sa révolution économique après le Covid. Pour ce faire, notre pays va s'appuyer sur de nouveaux piliers, dont le high-tech et l'innovation. À travers le développement du parc technologique de Côte d'Or, nous allons attirer les investisseurs intéressés par des possibilités séduisantes du numérique et des nouvelles technologies. Même si la gestion de la pandémie de COVID-19 s'avère un défi important pour le pays et que nous y consacrons beaucoup de ressources, nous avons également le devoir de construire un avenir qui sert les intérêts des générations futures. Donc le Data Technology Park jouera à cet égard un rôle pivot. D'ici 5 ans, le parc sera en mesure d'offrir 100 000 m² supplémentaires de locaux. Et il est estimé que ce projet pourra générer, à terme, 5 000 emplois dans le secteur de l'innovation et de la technologie. Il va de soi que ces activités innovantes entraîneront la création d'emplois dans les domaines fortement axés sur la connaissance.
et les postes disponibles seront essentiellement des emplois du savoir. De ce fait, nous devons former davantage de system engineers, de mathématiciens, de scientifiques et de technologues spécialistes. Et pour répondre à la nouvelle demande et pour que nos jeunes puissent s'adapter aux nouveaux besoins industriels, nous ferons appel aux instituts de recherche et aux universités les plus à la pointe en matière de nouvelles technologies. Ils auront pour responsabilité de développer et d'améliorer les connaissances, les aptitudes et bien sûr les compétences de nos jeunes. Je veux moderniser l'outil industriel et le parc technologique de Côte d'Or aura pour mission de permettre à Maurice de s'inscrire de plein pied dans la société ultra connectée du monde moderne. Tout bon promoteur qui pour installe ZUT dans Côte d'Or Data Technology Park pour bénéficier statut Technopole en bas Smart City Scheme. Parmi ben l'avantage qui ZUT pour gagner, ZUT pas pour payer taxes pendant 8 ans. Dans un rapport, la Banque mondiale a fini saluer ben mesure soutien salarial qui gouvernement mauricien fin met en place pendant pandémie. En effet, MRA fin déjà débourse 22 milliards roupies pour plus de 5 000 bénéficiaires à travers Wage Assistance Scheme et que Self-Employed Assistance Scheme depuis mars 2021. Maurice est ainsi 4e pays dans le monde lesquels ce plan soutien pour ben salarié les plus conséquents. Manta Chagorou. Rapport la Banque mondiale intitulé « Mauritius through the eye of a perfect storm, coming back stronger from the COVID crisis » li mentionne ban mesures rapides et appropriées qui fin prend par gouvernement pendant crise sanitaire dans le pays. Mise en œuvre rapide et efficace, Self-Employed Assistance Scheme et Wage Assistance Scheme par Mauritius Revenue Authority fin qualifié comme impressionnant par la Banque mondiale. Un montant total 22 milliards roupies fin déjà déboursé depuis mars 2020 à ce jour. These two schemes introduced by the government were given to MRA for implementation. Ça des plans soutien qui s'est mis en place par le gouvernement fin confié à MRA pour sa mise en pratique. En ce qui concerne Wage Assistance Scheme, pour 275 000 dimoun, paiement qui ne fait escalier par MRA les 15,7 milliards roupies. En ce qui concerne Self-Employed Assistance Scheme, ça représente 6,7 milliards roupies pour au moins 270 000 dimoun. La Banque mondiale finit apprécier qu'il paiement finit faire par un processus automatisé sans qu'il n'appelle ben bénéficier sur place après un exercice l'audit. Without calling the beneficiaries and in that also the system, the computer made an audit and excluded the superfluous claims. Saban Mézière soutien là représente plus que 32% PIB Maurice, qui fait à Maurice 24e pays au monde après l'Allemagne, l'Italie et le Japon, avec un plus gros soutien salarial. Ban laboratoire ministère de la Santé fin confirme résultat 1331 tests PCR à 18h30 à Zodi. Fin gagne un cas COVID au niveau local. C'est un habitante Kongoma. 605 dimoun fin guéri valait 10 jours. Et 18 dimoun qui tient dans ban centre quarantaine grâce à contact tracing avec un résultat négatif fin testé positif pendant test PCR le 7e jour. À partir de demain, une autre phase de campagne vaccination pour démarrer dans 15 centres de vaccination à travers le pays. L'IPOA l'intention 6 catégories du monde, personnel de la santé, ban frontliners, ban pensionnaires, personnel de l'éducation, tourisme et ban opérateurs économiques. Alors que 20% de population finit vacciner sa semaine-là, l'objectif à Stella c'est atteindre encore 20% fin juillet et que l'immunité collective jusqu'à septembre. C'est ce que député Prime Minister Stephen Obigadou fin dit dans conférence de presse le COVID-19 à Zodi tantôt. Nous écoutons. Dans les mois jusqu'à la fin juillet, nous bisons fin arrive 40%. Et si tout marche bien, nous continuons réussir à gagner un vaccin, comment nous finirons ici? Jusqu'à la fin septembre, nous bisons fin arrive 60%. De nos populations. Comment nous pouvons faire ça?
Mais à partir de demain, mercredi le 2 juin, après sa première étape que 20% finirait si vaccinés, nous pourrons attaquer sa deuxième 20% qui nous les vaccinés. Comment nous pouvons faire ça? Dans sa deuxième étape-là, qui peut commencer demain, nous pouvons offrir vaccin à 6 catégories de nos populations. Premier d'abord, nous pouvons causer catégorie la santé. Ensemble avec mon employé la santé, nous pouvons aussi offrir vaccin à tout le monde qui suit le traitement médical. Qu'il y ait un inpatient, ça veut dire du monde qui n'admet dans l'hôpital. Qu'il y ait un outpatient, ça veut dire du monde qui vient de l'hôpital tous les semaines, tous les deux semaines, tous les mois, il peut faire un traitement. Deuxième catégorie, c'est une catégorie bien importante pour nous, les frontliners, la police et puis prison. L'autre catégorie qui est bien sûr importante, c'est la catégorie des personnes âgées, des gens qui ont 60 ans ou plus qui 60 ans. Parce qu'ils sont vulnérables. Ensuite, il y a l'éducation. Cinquième catégorie, c'est ben du monde qui est associé avec voyage et tourisme, parce qu'il plie devant, nous pouvons bien relancer le tourisme. Et finalement, ben opérateur économique, ben du monde qui travaille dans ben firme, dans ben compagnie, y compris ben planteur, ben petit entrepreneur, ben pêcheur, sont pour capables de faire autres vacciner. Tous les jours, de 9h à 11h, 10 ben du monde âgés, 60 et plus de 60 ans qui pour gagner accès à bonne santé. Après 11h jusqu'à 4h, pour une vaccination par rendez-vous. Et de ce côté, ministre Kalpana Kunjusha fait l'appel auprès de la crèche pour qu'ils téléphone le hotline 119 pour prendre rendez-vous pour faire vaccin plus vite possible. Nous écoutons cette déclaration. En ce qui concerne la réouverture de bonne crèche, tout ben la crèche que notre personnel infini recevoir de deux doses de vaccin, je pour capable commence opérer suite à une certification officielle de mon ministère. Alors ce qui besoin faire, me faire l'appel à tout bon propriétaire, bon gérant, bon manager, bon la crèche, pour je compile la liste de notre personnel et ça inclut bon chauffeur, bon aide chauffeur. Je t'envoie nous au niveau du ministère ça, la liste là. Nous avons un officier ministère pour envoyer ça auprès de la santé qui pour contre vérifier ça la liste là et de nous une confirmation qui effectivement ce nombre de personnel infini recevoir des doses de vaccin. Et suite à ça, je vous gagne communiqué officiel qui est capable de recommencer au père je ben la crèche. Nous pouvons réitérer. Nous l'appelons envers la population pour faire ce devoir, pour protéger nous-mêmes, protéger nos bons enfants, protéger nos prochains. Vigne de l'avant, signifiez votre intention, book votre appointment à travers la plateforme IDB. Et pour une personne à la crèche qui n'a pas encore fait être vaccinée, moi, invite votre vigne de l'avant, contactez le ministère. Il est bien probable que Grande-Bretagne pour capable faire face à début une troisième vague COVID-19. Hier, plus que 15 000 du monde qui n'a moins que 30 ans, qui se dans la ville de Glastonbury pour faire vaccin contre COVID-19 selon Daily Mail. File d'attente est bien longue. Plus de détails avec Christelle Lebras. Ben la quai est plus longue que la ville Glastonbury devant stade Twickenham, site quotidien Daily Mail. Suivant succès inattendu, une campagne vaccination contre COVID-19 qui est initialement destinée à ben ce qui n'a plus que 30 ans. Ben organisateur tient comme l'objectif vaccine 15 000 doses, mais après un démarrage en douceur, campagne fin accélérée, quand se fin élargie vaccination gratuite à ben Dimoun qui n'a plus que 18 ans. Ben milliersen finalo al dans stade Twickenham dans Glastonbury dans l'espoir faire se vacciner pendant sa événement spécial sans rendez-vous dans sa stade rugby 82 000 places. Gouvernement britannique qui peut poursuivre ce programme vaccination dans la lutte contre Banvoya, Delta et Kappa.
Et dans la République de Maurice, la lutte contre la pandémie COVID-19 fin félicitée par des institutions internationales comme les Nations Unies et l'OMS. Campagne vaccination fin méthodique, ban vaccin zone gratuit et une vaste campagne sensibilisation fin lancée pour qui ban Mauricien faire zut vacciner contre COVID-19. C'est demain qui pour faire admission pour grade 7. Admission pour faire par l'ordre alphabétique entre 9h jusqu'à 3h tantôt. En ce qui concerne région Valépito, ban parents pour bizin al dans l'école primaire Soultissouni. Ulvashi Bikari Bonjon. Demain, ban admission en grade 7 pour faire dans ban établissement scolaire à travers l'île. Selon un communiqué qui fin émis par le ministère de l'Éducation, ban parents qui fin recevoir une lettre admission pour les ban enfants. Pour une place dans grade 7 dans l'école secondaire, je suis bien dans l'école là pour une formalité d'enregistrement. Plus que 15 000 élèves concernés par cette admission là. Formalité d'enregistrement pour faire entre 9h à 15h par ordre alphabétique. A à L de 9h à midi. M à Z de midi à 15h. Pour l'inscription, ban parents, je suis bien amené ce document là pour une formalité. Lettre admission, résultat PESAC, enfants là sur l'acte de naissance, parents sur carte d'identité et des photos passeport pour une formalité pour transport. Mes parents qui habitent dans Valépito décrétaient zone rouge, zone bizin al dans l'école primaire Soultissouni selon même ordre alphabétique. Ban l'examen rattrapage PESAC pour faire du 8 au 10 juin 2021. Et nous manquons une pause pub à Stella. Dis-le, il y a un extra bon source calcium. Il y a un élément essentiel pour la santé ou les os. Depuis plus de 25 ans, Candia propose une gamme produits laitiers pour tout le monde. Avec Candia, vous êtes capable de gagner tout ce qui est bon dans le lait. Les bienfaits du lait avec Candia. Candia, à chacun son lait. Un produit made in Maurice. La zone est commencée, papa du télé. Pas ferme les cœurs contents. Un petit alouda, un bon gâteau au chocolat. Ça fait moi plaisir quand moi avec toi. Quand la zone est finie, nous prenons tout le temps. Et que toi et moi, et surtout nous célébrer. Mais n'a tout surprise pour partager. Toujours plus avec Farmland. Farmland? The smart choice. Un rapport interne de service renseignement Denmark dévoilé par ban journaliste fin montré que service renseignement américain fin espionne ban personnalité politique européen entre 2012 et 2014 à travers ban câble sous-marin installé dans Denmark. Parmi ban nom qui fin cité, il y a Angela Merkel, ministre allemand pour affaires étrangères à l'époque, et aussi ban personnalité française. Astella nous guette un nouvel étang avec bonne prévision pour prochain 24 heures. À soir, les temps pour couvert et pour une artille à pli, le parti est et le plateau central. Les ciels pour éclaircir graduellement tôt dans la nuit. Température minimale pour varier entre 17 à 19 degrés le plateau central et que 21 à 23 degrés le la côte. Température maximale pour l'ivoirier entre 23 à 25 degrés le plateau central et 28 à 30 degrés le littoral. Marée pour haute 20h58 et demain 7h37. Les pour basse demain 3h09 et 14h15. Soleil pour lever demain 6h39. Pouyal coucher demain 17h37. Et nous allons terminer ici, madame, monsieur. Merci au fin suivi. Bonne soirée.